Merci, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter l'équipe. En fait, quand j'ai pris entente avec Nathalie pour être ici ce matin, on a improvisé à la dernière minute une présentation avec des gens des écoles Estime, en fait. Donc, je ne suis pas toute seule animée. Je suis accompagnée de M. Denis Labelle, qui est enseignant à l'école Paul Jarry. On a Magali. Magali, tu fais un petit coucou? Magali. Et aussi Alexis, voilà, qui porte fièrement les couleurs de l'école Paul Jarry, le vert et le bleu. Et ainsi que Mme Julie, qui est enseignante à l'école Martin-Bélanger, qui est notre deuxième école Estime, c'est-à-dire que c'est une école qui est rendue à l'an 2. On va vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Je veux juste prendre quelques minutes pour qu'on comprenne que le petit stress qu'on a vécu, c'est aussi un stress d'un enseignant dans une salle de classe qui n'a aucune idée comment la technologie fonctionne, qui a peur d'appuyer sur un bouton d'un petit robot. Et c'est un peu ça, sauf qu'eux, ils sont pris avec un groupe d'enfants, d'une vingtaine d'élèves, et la panique prend. Et là, c'est M. Denis, Mme Julie, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce qui fait que ça peut décourager des gens. Et j'aimerais que vous vous mettiez dans cette posture-là, parce que les écoles estiment, en fait, ça fait partie de nos objectifs, c'est d'aller rejoindre tout le monde. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Mais pour être une néophyte, à peu près, de la technologie, malgré le fait que je sois mariée à un ingénieur électrique, jamais j'aurais pensé qu'un jour je m'intéresserais à l'apprentissage du code chez les enfants du primaire. Et c'est essentiel. Et je me rends compte qu'au Québec, c'est une petite poignée de monde, et on les voit tout le temps, c'est toujours les mêmes, que j'apprends à connaître tranquillement. Et c'est eux les stars de la technologie. Quand on les écoute parler, c'est simple. C'est simple de rentrer un V3 dans ta classe. C'est simple d'avoir un WeDo. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas simple. Et vous comprendrez à la fin de notre présentation pourquoi on essaye de rejoindre tous les enfants. Je vais attirer votre attention notre logo. Vous reconnaîtrez au centre les quatre lettres qui sont les branches sciences, technologie, ingénierie et maths, qui sont les branches, quand on lit les études, dans lesquelles les métiers devraient se retrouver à un pourcentage. Il n'y a rien de prouvé encore, mais ce qu'on lit, là, c'est autour de 70 % des métiers. Le E avant élève et école. Alors, le E et les deux E viennent embrasser, si vous voulez, le mot STEAM. Et c'est comme ça qu'ensemble, on apprend aux enfants d'être fiers de coder pour penser. Pas juste la seule façon de penser, bien sûr, mais c'en est une. Là, roulement de tambour, on espère que ça marche. Hey. Alors, cette photo-là, je pense que c'est une de mes plus belles photos en carrière. J'ai dirigé des écoles pendant 23 ans. J'ai été enseignante avant. Et j'ai quitté récemment le monde, la structure scolaire, si vous voulez, pour m'occuper de l'organisme et lui faire ses premiers envols. Et cette photo-là, en fait, j'attire premièrement votre attention sur les filles. Elles sont là, autour de moi. Et les filles, cette stat-là est prouvée. Dès l'âge de 9 ans, elles se sentent beaucoup moins bonnes que le garçon en maths et en sciences. Elles peuvent réussir très bien. Ça n'a rien à voir avec leur réussite, leur note. Mais leur sentiment, c'est d'être moins bonnes. Et est-ce que socialement, essayer de penser, je vais peut-être dire des affreusités, même si je suis une maman d'un enfant maintenant de 23 ans, un garçon qui a été étonnant à l'école, clown, très près du mois de septembre, donc toujours très jeune dans sa cohorte, mais il dérangeait tout le monde et était bon en maths. Et ça, on l'accepte. Nos filles, quand on y pense, moins bonnes en maths, mais d'excellentes lectrices. Alors, il y a des choses ancrées depuis des années. Et une des cibles chez Estime, c'est de faire en sorte que ces filles qui vont avoir 9 ans, c'est bien ça, Alexis? Bientôt, hein? Bien, ces filles développent aussi la fierté de produire ou de créer avec la technologie autant que le garçon. Donc, c'est sûr que les filles, pour moi, c'est un... Ça fait partie du cœur de mes réflexions. Dans 15 ans, que feront-ils?
Bon, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'on connaît pas les métiers de l'avenir, là. Si je jouais au jeu de Margarida hier, et monsieur, je me rappelle plus de votre nom, mais c'était vraiment intéressant, votre présentation. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que la robotisation et l'automatisation transforment un lot de métiers très important. Je ne sais pas quelle est la statistique en Europe, mais en Amérique, on est entre 45 et 50 % des métiers. Donc, on sait qu'ils vont devenir avocats, on sait qu'ils vont devenir médecins, ingénieurs, astronautes, artistes. Mais comment ils vont faire leur métier, c'est plutôt là qu'il faut se questionner. Donc, on connaît leur base de métier, mais les outils qu'ils vont utiliser seront très certainement et très clairement sortis de la technologie, du numérique, de la robotique, et puis plus récemment de toute la machine apprenante qui fait son entrée dans les métiers. Alors moi, c'est le cœur de mon questionnement. J'avoue ne m'être jamais questionnée en tant qu'enseignante ou en tant que directrice au primaire de qu'est-ce qu'ils vont faire dans 15 ans. Mais c'est tellement accéléré, les changements sont tellement accélérés que ça fait partie de mon questionnement et de mon choix de confier estime au reste de ma carrière. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, quand Nathalie m'a appelée, on parlait du jeu en jeu. Bien, je vous amène un petit peu sur cette façon. Est-ce que le code est un jeu ou un enjeu? L'apprentissage du code est-il un enjeu chez les enfants? C'est sûr que quand on... Vous connaissez certainement les robots, Dash, les petits robots qui sont très mignons. Quand j'écoute des enseignantes et enseignants me parler, j'entends « c'est le fun », « les enfants aiment ça », les enfants sont engagés. Il y a des enfants qui vont me dire, bien, c'est comme si on jouait. Hier, on en a parlé. Mais au-delà de ça, est-ce un enjeu qu'un enfant entre 5 et 12 ans apprenne à coder et à programmer? Donc, je peux dire que les deux thèmes du réfère de l'année nous rejoignent. Si je ne me trompe pas, je passe la parole. Non, c'est encore moi. Alors, au programme, dans les 45 minutes, il n'en reste plus 45. Je vais passer la parole à Denis après. Alors, qui sommes-nous? On est le groupe Estime. On fait le lien entre une recette et le code. Des fois, c'est un peu le bordel dans la cuisine, comme tout à l'heure, mais on s'est bien repris. Denis va présenter les filles, les enfants et leur création. Il vous parlera de son témoignage sur les impacts, puisque Denis œuvre dans une école Estime où le code est implanté de la maternelle à la sixième année depuis 3 ans et demi maintenant. Ensuite, je vous parle brièvement de la mission, des objectifs et des premiers résultats probants sur la cohorte qui terminera cette année, en sixième année, à Paul Jarry, qui passe au secondaire. Je pense qu'on est dans une école 5-6-1-2. Moi, c'est quelque chose que je vais étudier parce que je suis en même temps maîtrise et doctorat à l'Université de Montréal pour regarder un petit peu la trajectoire des élèves vers le secondaire. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir appris à coder au primaire? Je vous mets tout de suite en réserve, c'est-à-dire qu'on vous a passé tout à l'heure le petit dépliant à l'arrière. Il y a nos coordonnées. C'est sûr qu'avec le temps qu'on a aujourd'hui, je n'irai pas dans la profondeur du programme. Vous allez en comprendre l'essentiel. C'est ce qui compte. Et je vous invite à communiquer avec nous si jamais vous voulez plus de détails. Monsieur Denis. Merci, Mme Christine. Les filles, venez me rejoindre, s'il vous plaît. De chaque côté de moi. Alors, je vous présente de ce côté... Magali Labelle. Et je vous présente de l'autre côté... Alexis Bernard. Vous avez maintenant leur nom de famille. Alors, qui ont décidé de manquer aujourd'hui l'école. Ils avaient une dictée, ils avaient un test de leçon, mais pour vous, ils ont abandonné leur dictée et leur test de leçon pour venir nous rejoindre ici à Lévis. Êtes-vous contente d'être ici, les filles? Oui. Excellent. Alors, j'ai eu la chance d'être leur enseignante maternelle. Alors, les filles, une première question qu'on va commencer, une question difficile, c'était qui votre professeur de maternelle préféré? Monsieur Denis? C'est une bonne réponse. Ça fait combien d'années que vous codez? 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on code. Et moi, j'ai commencé à coder en maternelle avec eux. Et puis, il y a eu une continuité dans la programmation. C'est pas juste moi qui en ai fait en maternelle. Ils en ont fait en première année, en deuxième année, en troisième année. Et ils vont en faire jusqu'en sixième année. Alors, en programmant comme ça, toute l'école au complet a réussi à atteindre des niveaux de compréhension de la programmation très élevés. Bon, les filles...
Qu'est-ce que vous vous programmez avec quoi à l'école? Comment ça marche le coding à l'école? Qu'est-ce que vous faites? On fait du dash and dot. Vous faites du dash and dot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est deux robots. Qui font quoi? Qui se promènent dans les labyrinthes avec les boulots qu'on leur dit. Qui les contrôle? Nous. Puis toi, Magali, qu'est-ce que tu fais comme programmation à l'école? En maternelle, on fait des bibottes. C'est des petits robots en abeilles qui se promènent en terre, puis qui fait plein de... Il y a des flèches dessus, puis on peut les diriger avec nos mains sur les bibottes. Y a-t-il d'autres choses que vous faites en programmation à l'école? Du scratch. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous grattez? Mm-mm. C'est comme on programme un petit chat pour qu'il monte, qu'il tasse, puis qu'il descende. Oui, vous programmez un petit chat. Alors, en faisant la programmation de la maternelle à la sixième année, on travaille une multitude d'applications et de robots, puis ça nous permet d'atteindre une multitude de compétences en programmation. Alors, on travaille le français, les mathématiques, la coopération, le développement de l'estime de soi, l'orientation spatiale, la persévérance, l'autonomie, la résolution de problèmes, et j'en passe. Alors, est-ce que vous aimez coder, vous, les filles? J'adore coder. Je vais te donner 5 $. Et toi? J'adore coder. Et un autre 5 $. Alors, c'est de la motivation. Coder, jouer avec les tablettes, jouer avec les robots, c'est de la motivation. Puis pour nous, c'est un autre outil pour enseigner, pour faire passer notre matière. Question piège. Qu'est-ce qu'une boucle? C'est un bloc que, si on veut le faire marcher, sauter, à place de le mettre 3 fois, on le met dans une boucle. Quand même, on sait, c'est pas une boucle de souliers, c'est une boucle en programmation. Bravo les filles. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire pendant que nous, les adultes, on va parler puis ça va être plate? Qu'est-ce que vous allez faire en attendant? On va programmer Scratch Junior sur cet écran-ci. Oui, qu'est-ce que tu vas faire comme histoire, toi? Moi, je vais faire, c'est une petite fille qui rencontre un garçon. Là, il s'en va jouer au soccer et après, elle revient chez elle. Une petite fille qui s'en va jouer au soccer, c'est tout mignon. Puis toi, Alexis, tu vas faire quoi? Un magicien qui se transforme en lapin, mais ça marche pas. Ben allez-y, les filles, allez créer. On va vous regarder sur l'écran pendant que nous, les adultes plates, on va parler. Madame, oui, ah, alors ça, c'est moi, ça, rempli d'entrain et d'enjoie. D'enjoie. Moi qui est très nerveux en ce moment et qui est content d'être ici. Alors, je suis enseignant au préscolaire. Pour moi, j'accorde une grande importance à l'apprentissage ludique. Avoir du plaisir, c'est très important. Alors, avoir le goût de venir à l'école, renforcer l'estime de soi, voir la fierté dans le regard des élèves, développer leur autonomie, surtout lorsqu'ils vont aux toilettes, là. C'est très important pour moi en maternelle de faire ça pour moi. Alors, moi, en programmation, quand j'ai commencé, il y a 3 ans, je savais rien faire. J'ai juste eu un plateau de bibottes, puis on me dit « amuse-toi avec ça ». Alors, je me suis lancé, je me suis mis en posture d'apprenant. J'ai été voir ce qui se faisait sur Internet, sur partout ailleurs, et j'ai essayé de programmer. J'ai essayé de faire des jeux, des applications. Parce que si on juste dit aux enfants de s'amuser avec les bibottes, ils risquent de les kicker puis de les endommager. Alors, ça a été très motivant pour moi de plonger, d'essayer de créer des activités. Et puis, ça a eu un effet de contagion. Donc, mes collègues se sont penchés vers moi et se sont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces bibottes? Puis là, j'ai commencé à partager mon expertise. Puis on a développé une communauté d'apprentissage. Donc, maintenant, tout le monde à l'école, on partage nos idées, on partage nos bons coups, puis on se lance, puis on apprend tellement de choses. On souligne nos bons coups, on souligne nos moins bons coups, on apprend avec ça. Donc, moi, pour ma part, estime ce que ça m'a permis de développer, c'est vraiment la programmation au quotidien. Parce que maintenant, je programme environ 3 périodes d'une heure dans ma classe par semaine. Alors, les élèves le savent, on a des iPads dans nos classes, on a des robots, et c'est quotidien maintenant. Là. Je leur fais confiance, et puis on programme, puis on s'amuse avec ça. Ensuite de ça, puisque ça fait 3 ans qu'on programme à l'école, j'ai comme été un Pokémon, j'ai évolué. Alors maintenant, je suis capable de faire une multitude de choses.
Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Estime, ça a été une démarche école. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a tout le monde plongé ensemble. Puis c'est pas tous les enseignants qui ont commencé à programmer le jour 1. Il faut respecter le rythme de tous les enseignants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche école et on avance tout le monde ensemble. Finalement, je réalise que en programmant avec les élèves de maternelle, je comprends que les élèves ne consomment pas les applications, mais ils commencent à en créer. Ce que les filles font présentement, sont en train de créer des choses. Donc, ils consomment intelligemment, ils sont actifs, ils sont un peu critiques vis-à-vis toute cette nouvelle technologie-là. Alors, ça apporte beaucoup pour les élèves. Je pense que j'ai fait le tour. Merci, M. Denis. Donc, il faut comprendre que la mission, en fait, les écoles Estime sont nées de la démarche de l'équipe Paul Jarry, qui, au bout de 2 ans, se faisait poser les mêmes questions par tout le monde. Comment vous avez fait? Comment vous faites pour vous équiper? Comment vous distribuez les matériels dans l'école? Comment tout le monde a embarqué? Et c'est ce qui fait qu'un groupe, un sous-groupe de l'école, on est 10, en fait, dans l'équipe, on est 4 fondatrices. Et Denis est bénévole chez Estime. On est tous des bénévoles. Et on a, en fait, encapsulé, si vous voulez, un programme. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, dans sa globalité, bien sûr. Et c'est au bout des 2 ans où on est arrivé, au bout des 2 ans, ce que tous les enfants codent dans l'école. Quelque chose qui m'a dérangée récemment, qui est sorti de l'OCDE, du directeur pédagogique, qui disait que apprendre à coder à des enfants aujourd'hui, c'est inutile parce que ça va devenir obsolète très, très vite. Oui, parce que les machines vont le faire à leur place, en fait. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je vous dis que j'ai lu ça, quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord. Je vous inviterai, ça va peut-être paraître gros, d'ailleurs, la phrase qui est sur le dessus de notre grosse carte de visite. Apprendre à coder sera comme apprendre à lire au 21e siècle. Ça fait réagir les gens. En fait, on a du mal à se projeter. Je vous dirais qu'une machine, dans quelques années, sera capable de lire et écrire à notre place. Est-ce qu'on est en train de se poser la question, est-ce qu'il faut arrêter d'apprendre à faire lire et écrire les enfants? La réponse va être non, mur à mur. On ne la remettra même pas en question. Alors, même si ça paraît comme peu probable, ce que moi j'ai lu à travers mes travaux de recherche, c'est que d'ici la mi-siècle, alors 2050, on n'en parlera même plus. De coder. Ça va devenir quelque chose qui est aussi naturel que de parler, de lire et d'écrire. Sauf que là, on n'y est pas. Mais les enfants qu'on a dans nos écoles, en 2050, ils ont 35 ans. Et c'est ce qui m'amène finalement à avoir pris cette trajectoire-là. Et ce qui explique, donc, quand on est une école Estime, on ne code pas seulement pour coder, mais on code pour créer. Les filles vous en font mention en ce moment. En fait, elles codent pour créer une histoire. Les filles vont mettre toutes sortes de petits objets dans leurs histoires. Les garçons, moins, ils sont plus linéaires. Mais il reste qu'un enfant. En tout cas, vous l'avez sous les yeux. On va associer la créativité dans un contexte technologique, dans un contexte. Et aussi la résolution de problèmes. Je vous mentirais en disant que quand j'ai quitté l'école, en décembre, les enseignants, même au bout de 3 ans et demi de codage, prenaient finalement ces situations-là comme les filles le font et étaient capables de porter un jugement sur la résolution de problèmes pour être fascinant, pour pouvoir mettre une note dans le bulletin. Okay, je vais le vulgariser comme ça. Ça va prendre du temps, à mon avis, le temps de laisser le papier, la tâche papier, la tâche de résolution de problèmes et d'être capable de dire est-ce que... d'être capable d'aller porter des observations sur la résolution de problèmes d'un enfant pendant qu'il est en train de coder. Le temps fera son œuvre. Je vais vous montrer une petite vidéo d'élèves. Est-ce que vous me le partez, monsieur, derrière? OK. Alors, juste avant de le partir, ce sont des élèves de 4e année. Ce sont 2 filles de la classe de Madame Annie. Elles ont créé, en fait, un labyrinthe avec Scratch. Elles vont vous expliquer un petit peu comment elles le contrôlent. On peut le redémarrer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux me montrer de déplacer?
Alors, les filles, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a fait un labyrinthe dans Scratch. Puis là, on peut le contrôler avec les flèches. Puis si on touche, ça recommence du début. Pour rendre ça un peu plus compliqué, on a fait un tapis pour bouger. Est-ce que tu peux me montrer, te déplacer, puis je vais essayer de voir si ça fonctionne? Ici, c'est en avant, de côté de droite, gauche, en avant et en arrière. Je vais faire le niveau. Super! Est-ce que vous trouvez ça plus amusant de vous déplacer avec les flèches ou avec le tapis? Le tatami. Merci les filles! Alors, le composant qui est utilisé pour faire le lien entre Scratch et le clavier et le papier d'aluminium au sol, ça s'appelle des Mekemeke. Une petite boîte rouge très sympathique. Voyez-vous, chez Estim, par exemple, c'est un bon exemple, on n'intégrera pas cette petite boîte avec des fils. Quand on ouvre la boîte, il y a des fils. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Et comme on veut convaincre et aller rejoindre tout le monde la première année, bien ça, on va l'intégrer un petit peu plus tard. Probablement que ça deviendra même un matériel qui sera complémentaire. C'est-à-dire que les enseignants qui se sentent à l'aise d'aller jusque-là vont le faire. Par contre, nous, dans notre planification d'activité, on va faire un labyrinthe aux élèves. Parce que ça, une fois qu'on a intégré le clavier sans rien rajouter autour, le maximum d'enseignants dans l'école vont se sentir à l'aise avec ça. Ça vous illustre un petit peu comment on développe le cahier de charge des formateurs qui viennent dans les écoles. Je vous en glisse un mot là, mais je reviendrai. Pour rejoindre, je sais que je le répète beaucoup, mais c'est parce qu'on se fait souvent dire « Oui, mais moi, mon prof, ça fait 3 ans qu'il fait des Lego ou des EV3 dans sa classe. » Parfait. Mais nous, ce n'est pas cet enseignant-là qu'on touche. Il est déjà touché de toute façon. Il fait déjà partie de groupes d'experts. Il est confortable. C'est le reste. C'est à ça que s'adresse le programme Estim. Ah, c'est moi, ça. Bon. Le proche... Vous avez repris le contrôle, hein? Ah, non. Je peux y aller? OK. Quand on a démarré Estim, vous comprenez qu'on est un très petit organisme. Alors, on fait les choses nous-mêmes. On a fait une bande-annonce, donc je vous la démarre. Je vous demanderai de porter une attention particulière aux phrases qui vont défiler. C'est très court, là, c'est 50 secondes, mais ça vous donne une bonne idée un petit peu de la démarche d'équipe. La démarche Estime, c'est une démarche d'équipe, une démarche où on place le personnel en posture d'apprenant, en passant pour les directeurs d'école qui sont assis dans la salle. Ça vous sert de levier énorme pour les autres dossiers qui peuvent peut-être stagner un petit peu. Nous, on l'a constaté à Paul-Jarry, en intégrant le code, on a intégré en même temps les stratégies de lecture, la lecture d'albums en salle de classe, les dossiers d'écriture. Ça fait en sorte que toute l'équipe, parce qu'on part tous du même point, bien, on place toute notre équipe en posture. Et honnêtement, là, je suis allée trop... Qu'est-ce qui se passe avec mon... Bon. Alors, la mission, notre mission, en fait, c'est une accréditation d'école. OK? Estime. Nous, on démarre une accréditation d'école au Québec pour l'instant. On a beaucoup d'amis européens assis avec nous. On marche avant de courir. On ne veut pas aller trop vite. On a actuellement, bien, je vous montrerai le nombre d'écoles. Donc, c'est une accréditation d'école dans laquelle les finissants, alors on va aller vérifier ceux qui terminent, quel niveau de programmation ils ont. Est-ce qu'ils sont passés par l'apprentissage de la séquence, de la boucle, de la condition? Et est-ce que les enseignants arrivent à la reconnaître? Attention, on n'est pas en train de dire qu'on forme des informaticiens,
ni chez les enseignants, ni chez les élèves, mais on va aller voir si, tout à l'heure, c'est Alexis qui vous a parlé de la boucle, elle est en troisième année, va venir la condition, introduire des variables. Donc, c'est le niveau où on va aller voir les créations des élèves, c'est la façon dont on va accréditer l'école, pour aller voir si nos finissants saisissent ces niveaux-là. Mais comme ils vont l'avoir fait depuis la maternelle, on a de bonnes chances de croire qu'ils y arrivent et on a déjà les preuves concluantes en ce sens. Donc, qu'est-ce que c'est estime? C'est une accréditation d'école. Elle n'a rien de gouvernemental, elle ne dépend pas de commission scolaire, c'est un peu comme les écoles Brundtland, des écoles vertes, des écoles internationales. Donc, c'est un programme en trois phases. On va dire trois ans, mais il y a des écoles qui vont plus vite et des écoles qui vont plus lentement. Et chez Estime, on respecte ce rythme. Donc, la première phase, c'est de découvrir autant chez les élèves que chez les enseignants. Donc, nos écoles allant 1, en ce moment, découvrent le matériel avec lequel on travaille, qui est excessivement limité. On ne part pas dans une multitude de robots. On en a 2. On a 1 langage, mais l'important, c'est de le découvrir. La deuxième année, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tester. En fait, on va faire créer les élèves et puis les enseignants en même temps. On a toute une structure d'accompagnement aussi qui vient avec. Donc, on est plus confortable. On intègre le code un peu plus comme un outil d'apprentissage. Et finalement, c'est à l'an 3 qu'on va voir, ou à la phase 3, les enseignants intégrés, comme Denis vous en a témoigné tout à l'heure. Moi, je me sers du code comme outils d'apprentissage pour les enfants pour aller rejoindre les compétences de mon programme. On le dit, c'est tous les élèves et tous les enseignants. Et finalement, ce que c'est estime, c'est un accompagnement, je vous dirais, logistique, clé en main, autant au niveau des activités qui sont proposées, des personnes qui viennent soutenir en salle de classe. On engage des formateurs universitaires et collégiales qui connaissent le code. Et c'est un soutien personnalisé avec où est rendue l'école et vers où on va l'amener. En 2019, en ce moment, on a 20 écoles, pardon, et ça va vite. 20 écoles, c'est 6 000 élèves. 20 écoles, c'est 300 enseignants. Notre cible, d'ici 2024 au Québec, c'est d'avoir 10 % du réseau des écoles primaires du Québec, ce qui veut dire à peu près 200 écoles. On a l'air de vendre quelque chose, là, mais moi, je vous dis, on ne pousse pas. On va avec les équipes qui sont prêtes et qui le veulent. 2024, c'est donc 200 écoles, on aura rejoint 60 000 élèves et 3 000 enseignants. La force, c'est qu'on travaille avec les équipes au complet. Je vous parle de Tom. Alors, Tom est un finissant de 6e année de l'école Paul Jarry. Tom aura codé 4 ans. C'est-tu ça, Denis? C'est 3 ans chez les plus vieux. Oui, 3 ans. Alors, je vous parle de Tom parce que ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où à un moment donné, coder, ça va devenir naturel. Alors, Tom, ce qu'il vous présente, c'est une rondelle de hockey, vous la voyez. Et la présentation, en fait, se cadre dans... Les élèves de cette classe-là avaient un projet personnel à faire. Le projet personnel, c'est un projet sur ce que tu aimes dans la vie ou une passion. Donc, Tom aime le hockey. Et Tom est un enfant qui réussit super bien, qui est curieux. Et il a proposé à son enseignante, il dit, moi, je veux fabriquer une rondelle de hockey. Okay? Parce qu'en fait, les enfants, il fallait qu'ils fabriquent ou qu'ils conçoivent quelque chose. Et là, son enseignante a dit, ben, fabriquer une rondelle de hockey, commence par faire des recherches sur Internet pour savoir comment et quel produit tu auras besoin. Alors, Tom, ça ne lui a pas pris de temps. Il est revenu à son enseignante et lui a dit, ben, je pense que ça ne sera pas possible parce que, entre autres, il me faut une usine, il me faut du charbon et toutes sortes de produits qui n'existent pas vraiment autour de l'école. Et Tom, c'est un enfant qui peut se décourager. Alors, il s'est assis sur le divan et il lui a dit, moi, je ne fais plus le projet. J'arrête. Et je suis rentrée dans la pièce à ce moment-là et là, on a accompagné un petit peu Tom pour lui faire réaliser qu'à l'école de quartier, qui est à 2 rues de l'école Paul Jarry, il y a un Fab Lab dans lequel se trouve une imprimante 3D. Et là, il a dit, je peux l'imprimer. Bon, il n'a jamais touché une imprimante de 3D de sa vie. Puis là, on lui a dit, ouais, mais il va falloir que tu la programmes. C'était vraiment pas un problème pour lui. Par contre, il a fallu qu'il attende 2 rondelles de hockey parce que la première a pris 8 heures à imprimer. Il n'avait pas mis assez de plastique dans son programme. Il n'y avait pas assez de plastique, ce qui fait qu'elle était trop légère.
Il l'a recommencé. La deuxième a pris 14 heures. Il a fallu qu'il prenne son rendez-vous avec la directrice de cette école, l'enseignant, le rentrer dans un horaire, faire cette démarche par lui-même, et c'est ça qui lui a demandé du temps. Alors, je suis assez d'accord quand on parle du spectre des compétences du 21e siècle. Il y en a qui ne sont pas nouvelles. Je veux dire, l'esprit critique, ce n'est pas nouveau. Mais au-delà du développement de la pensée informatique, et pour moi, ça passe par le code, c'est mon opinion, l'apprentissage du code, ben, il y a la persévérance, il y a la patience, il y a le réseautage. Tout ça, ça fait partie de la marmite. Alors, Tom, il le sait, là, ses parents aussi, je le présente chaque fois parce que ça illustre pour moi le cheminement. Puis là, ben lui, il a 3 ans d'apprentissage du code. Imaginez, une imprimante 3D, il ne l'a même pas énervé. Moi, ça m'aurait énervé. Mais imaginez un enfant, ça fait 7 ans qu'il code. La puissance. Monsieur Denis, je vous laisse la parole. Merci, Mme Christine. C'est très inspirant. Je suis désolée, je parle beaucoup. Alors, c'est nos résultats de cette année. Ça date de quelques jours. L'école Paul Jarrys, on est la première école Estime. On est la deuxième école la plus défavorisée de notre commission scolaire. C'est quand même à retenir. Près de 70 % de nos finissants se sont présentés au test d'admission pour entrer dans les programmes sciences et techno. Sur ce 70 %, il y en a 20 % qui sont partis finalement vers le privé ou le PEI. Mais il faut comprendre que 70 % de nos finissants de cette année ont été acceptés dans des branches technologiques et scientifiques. C'est incroyable. Si ça vous tente d'applaudir, ce serait un bon moment. Maintenant, j'ai sorti ce tableau-là en presse parce que je voulais le présenter. C'est la première fois qu'on le présente publiquement lundi. Et j'ai dirigé 10 ans Paul Jarrys. Et on a vécu un agrandissement à Paul Jarrys qui m'a mobilisé vraiment beaucoup d'énergie pendant 3 ans. Et je ne retrouvais pas dans mes archives 3 années de prise de notes sur quand on fait le classement avec le secondaire, où vont les enfants. OK? J'attire votre attention que c'est vraiment l'inscription secondaire. C'est la photo-inscription. OK? Maintenant, la raison pour laquelle j'ai entamé un début de maîtrise et un doc, après, c'est d'être capable de suivre les cohortes de nos écoles Estime pour voir si l'apprentissage du code au primaire influence le parcours de l'élève. Et je sais qu'il y a une école secondaire ici qui se questionne là-dessus et voir un petit peu la place d'Estime, ça va faire partie de nos préoccupations. Je m'en tirerais aujourd'hui de dire bien, on a un programme tout conçu pour le secondaire, loin de là. C'est le début de la vague, mais ça fait partie. Alors, un petit peu plus tard dans la semaine, j'ai réussi à obtenir mes chiffres et je vous présente aujourd'hui. En fait, il me manque seulement une année, 2011-2012, sur les 10 ans de direction de Paul Jarrys. La première année étant le classement des élèves, en fait, la même photo. Et la ligne rouge représente les élèves qu'on a envoyés en adaptation scolaire en 2010-2011. À cette époque, à l'école d'Albévio, qui est notre école de quartier, le programme de sciences existe, mais le programme PEAI n'existe pas encore. On a quand même une petite proportion, c'est la ligne jaune, d'élèves qui rentrent en sciences, mais vous voyez que la première ligne est principalement constituée T en adapte ou régulier. Tu sais, ça ressemble à ça, là, pas mal. Alors, à travers les années, en fait, on n'a pas intégré le code tout de suite à Paul Jarrys. On a commencé par se dire que des enfants de milieux défavorisés, le développement de la pensée scientifique devenait un atout considérable pour être capable d'émettre des hypothèses, pour être capable de porter des jugements, pour être capable de déboguer, de rendre ce qui bon, toutes les questions que peut se poser un scientifique. Ce qui fait qu'en autour de 2013-2014, on a introduit dans notre projet éducatif le développement de la pensée scientifique, ce qui nous a amené 2015-16, où il y a 4 classes qui ont fait leur premier projet de programmation, et c'est là qu'on a fait le lien entre les deux. C'est là qu'on l'a vu, l'engagement des élèves. Et c'est à la suite de ça qu'on a intégré la programmation mur à mur pour tous nos élèves 2016-2017. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la dernière ligne, aujourd'hui, comme Denis vient de vous le présenter, c'est pas loin de 50 % de nos élèves qu'on envoie en sciences et techno. Le petit groupe de PEI avait passé les tests, ils y seraient s'ils n'avaient pas été acceptés au PEI. Tant mieux pour eux aussi, c'est un beau programme. Mais il reste qu'on n'a plus d'enfants en adaptation scolaire. Et ça me parle. Voilà. J'ai quitté Paul Jarrys à regret.
Vous pouvez le sentir. Je suis très attachée à cette école. Aujourd'hui, je m'en occupe juste pour la partie techno. Je fais les choses qui m'intéressent. Mais c'est intégré maintenant. Alors, ça nous fait penser qu'on est capable d'aller faire ça dans d'autres écoles au Québec. C'est ce qui nous intéresse. En France aussi. En Suisse, j'ai déjà des bénévoles qui se portent volontaires pour devenir Estime Suisse, Estime Nice, Estime... voilà. On va revenir à nos cocottes. Alors, on commence par Magali. Magali, tu veux t'approcher de moi parce que avec le micro ou je m'approche de toi. Donc là, les filles vont nous présenter un petit peu ce qu'elles ont fait. Donc je vous demanderai de regarder l'écran qui est à la gauche de la salle. Bien, certain que tu peux commencer. Alors elle commence son histoire. Donc son histoire, vous pouvez la suivre. Maintenant, j'ai fait une erreur parce qu'il parlait tout en même temps. Dans mon projet, ici, j'ai mal mis la couleur de l'erreur. C'était pas orange, c'était rouge. Fait que là, vous allez voir que ça va mieux comprendre. Attends. Contente, hein? Bien, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça continue sur d'autres scènes, c'est ça, Magali? Oui. Alors, ce que vous voyez passer, c'est les scènes l'une après les autres. Est-ce que tu peux juste rapetisser l'écran puis montrer ce qui se passe en même temps en bas avec les flèches? OK, en bas, on voit le code de l'enfant. Pour ceux qui ne se connaissent pas, Scratch Junior et Scratch. On voit la boucle, entre autres, là. Oui, la boucle est en orange. Donc, les enfants très, très petits, chez Estime, on intègre Scratch Junior dès la maternelle, dans la deuxième partie de l'année. Alors, tous les stades de programmation sont inclus dans Scratch Junior, ce qui fait que les enfants développent déjà le vrai langage, la séquence, la boucle. Bravo, Magali! Avant de passer la parole, en fait, pendant qu'on débranche, s'installe. S'il y a des orthopédagogues dans la salle, l'acte de déboguer, l'acte de corriger son erreur, contrairement à recevoir ta note sur une dictée du vendredi matin, tu as 8 sur 10, tu ne peux plus rien faire, hyper important. Alors Magali, Alexis. Alexis, tu nous amènes dans le monde de la magie, si je comprends bien. OK. On y va, Alexis. Il est en train de marcher ou t'es en train de sauter, c'est ça? Une belle boucle. Une belle boucle, hein? Je vous fais remarquer qu'on travaille le discours narratif, le récit. Oups, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre le bloc qui change de tableau. Alors, parce qu'elle avait fait cette erreur, son histoire était bloquée. Bien ça, Alexis? Donc là, il peut continuer? Mm-hmm. On continue. C'est terminé? Non, fin. Ah! Donc, l'intention d'avoir des élèves, c'est bien sûr très, très charmant, mais c'est aussi que vous réalisiez, les enseignants assis dans la salle et les directeurs d'école, que les activités estime se font dans une seule période. Alors, ce n'est pas des activités qu'il faut reprendre à l'heure du lunch, dans la semaine. OK? Nous, on a un cadre où tout est faisable dans une période. C'est sûr qu'elles ont commencé un peu avant, parce qu'une période, c'est à peu près une heure, mais en une heure, je vous garantis que des enfants peuvent créer quelque chose en codant en une heure. Monsieur Denis, le mot de la fin. Alors,
Les écoles estiment, c'est un réseau d'écoles. C'est très important de comprendre cela. On a une force avec les communautés de pratique qu'on développe. Plus on a d'enseignants, plus on se partage nos activités, plus on a de viande autour de l'os pour programmer d'une belle façon. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. On essaie d'être très actifs. On a un beau site Internet. On a un paquet d'outils et d'idées pour savoir comment on peut programmer en classe. Et on est prêt à ce que votre école se joigne aux écoles Estime. Puis j'ai toujours voulu finir par une phrase punch, Mme Christine. Le futur, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.